Je suis quelqu'un qui aime beaucoup bricoler, quelqu'un vraiment qui n'a pas peur de travailler. Et ça, c'était depuis toute petite, je grandis avec. Et mon rêve, c'était de faire un travail rare, un travail qui n'est pas facile à intégrer, déjà, hein, un travail qu'il faut vraiment avoir la volonté de le faire. Je travaillais quand même sur un chantier avec un chef qui n'était pas du tout d'accord de voir une femme sur le chantier. Pour lui, la femme, c'est rester à la maison, mettre le vernis. Il m'est arrivé où on ne me serre pas la main sur certains chantiers. C'était une manière de m'affaiblir, que je me décourage. Mais j'ai tenu bon et jusqu'à aujourd'hui, je continue toujours dans le métier. Je travaille avec d'autres chefs qui sont sympas et qui sont très contents de voir une femme qui travaille dans le chantier. Moi, ça me touche vraiment le cœur. T'as un ennui à faire, hein ? Oui. Faut dégrossir. Moi, le conseil que je pourrais donner aux jeunes filles, c'est respecter ses collègues de travail. Et en les respectant, je pense qu'il y a une harmonie qui se crée. C'est ce qui se passe, moi, avec mes collègues. Nous sommes comme des frères et sœurs. Il n'y a pas de problème. Les femmes peuvent intégrer ce métier, mais dans le respect.